Ça suffit, Oli, je suis de ton côté. Mais il fallait une excuse pour qu'on se batte. Il faut absolument que tu m'écoutes. Écoutez-moi, Gotham et Metropolis vont disparaître. Ensuite, il s'en prendra à notre monde. J'arrive pas à y croire. C'est de la folie. On doit l'arrêter. Ça va être un sacré combat. Non. Je vous ai fait venir pour l'arme à Kryptonite. Et ce plan a échoué. Rentrez chez vous. Je détruirai le transporteur interdimensionnel après. Ça ne l'empêchera pas de venir. Ça vous laissera le temps de vous préparer. Luthor s'est sacrifié pour nous. On ne peut pas le déshonorer en partant. Il y a une solution. On amène notre Superman. On termine ce combat. On a assez d'un Superman dans ce monde. Il n'est pas comme le vôtre. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Oh, regarde, il y a le cirque qui se ramène. Seigneur Lita, tu apprendras à le craindre. Pourquoi Superman t'a épargné, Bane? Il apprécie mon savoir-faire. Ah bah voilà. Putain, la taille de cet AK. C'est pas une mitraillette, ça, c'est un tank. Fais ta prière. Oups. Bon, ça va, je pars avec mes seins. Eh, je reconnais ce signe avec les mains. C'est Wakanda Forever. Quoi? Je suis censé... J'ai pas compris. Ah! Si tu veux. Moi, je vais te bitch là. Aïe! Attends, tu sais quoi? Attends. Alors, le bouche-trou interdimensionnel, c'est quoi ses coups? Ok. Aïe! Aïe! Ok. Attends, j'ai regardé qu'un coup comme un débile. Attends, est-ce que ça change si je shot par-dessus lui? Ouais, voilà. Alors, j'ai ça. Wow! Oh, pas mal! Ok, attends, ouais. Je t'emmerde! Attends, dis-moi que je peux faire ça. Oh oui, hop, quoi? Il y a de l'armure, ce personnage? Il y a de l'armure. Oh, je te fouette! Je suis Catwoman. J'avoue. Sadomasochiste. Bonjour. Putain, j'arrive pas à la jouer, ça, ce personnage. C'est incroyable. Aïe! Aïe! Ok. C'est qui ça? Ah d'accord, il y a des Amazones qui se ramènent. Ok, pourquoi pas. Ah! Oh! Putain, c'était juste. Ok. Remercie Athéna pour ma pitié. Ouais, ok. La prison aurait dû t'apprendre la valeur de la pitié. Peña Dura ne m'a appris qu'une chose. Mieux vaut être au fond et respecté. Oh! Le mec, il oublie que Wonder Woman a une super force. Ok. Changement de décor. Pourquoi pas? Temiscira? Comment est-ce? C'est moi qui t'ai amené ici. Toi? Je n'ai pas le temps pour te. Et ils vont se battre. Calme-toi, je te prie. Nous avons beaucoup à parler. Tu as peut-être dupé ma mère, Arès. Mais je n'écouterai pas tes mensonges. Tout est un motif pour se battre dans ce jeu, c'est incroyable. T'as bu la dernière brique de lait? Je n'écouterai pas un seul de tes mensonges. C'est le mec instant, il se fout dessus, quoi. Ah! What the fuck is that?
Ah, ah. Laisse-moi attaquer. Voilà. Tiens, comment elle se fout de sa gueule. Ok. Oh putain, elle est plus grosse que la mienne. Oh putain. J'arrive pas à attaquer. Ok. Oh, attends, je me demande s'il y a une autre shop. Non, non, c'est toujours la même. Vas-y, attends. Ça va faire des bons dégâts. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais pas touché. Bah là, ça fait sens qu'il y ait des Amazones qui se ramènent. Là, c'est du lore. Dégage. Mais je suis mort? Ah, toujours plus. Ah non, je suis pas mort. Non! Non! Saloperie, regarde sa vie! Oh, j'y crois pas. Attends, elle vient de la traiter d'idiote? Ça va, si? Oh bah putain, bah voilà! J'ai qu'à faire ça! Voilà! Bah c'est pas mal ça! Voilà! Impressionnant, mais insuffisant. J'ai tout balancé, hein! Attends, c'est quoi de l'assaut déjà? Non! Ah, j'allais dire, putain, j'allais dire que ça m'a touché. La pause qu'il a pris. À présent, Arès, renvoie-moi là-bas. Diana, tes amis survivront à leur petite bataille. Mais si tu veux vraiment les aider, écoute-moi. Je n'ai pas bu la dernière briquette de lait. Bref. Ça doit être un peu le pire cauchemar de Bane, ça, non? Deux Batman sur ça. Oh putain, comment ils l'ont allongé? Il faut faire sortir le transporteur. S'il est endommagé, vous ne rentrerez jamais chez vous. Oui. Comment ils l'ont allongé, par contre? Je connais le plan de Superman. Tu ne m'apprends rien. Mais sais-tu comment il compte mettre son plan à exécution? Pas encore. Si tu ne m'avais pas amené ici... Par Aphrodite. Choquant, n'est-ce pas? La grande armée Amazone, prête à envahir tout un continent. C'est impossible. Comment a-t-elle... Si seulement quelqu'un pouvait l'arrêter. En la regardant de façon hastie... Pourquoi voudrais-tu que je fasse en insistant ça sur le tu vois, sur, te rendre tes pouvoirs. Sur le regard. À court terme, si Superman assoit sa suprématie, le conflit qui alimente mes pouvoirs s'éteindra à jamais. Je pourrais te remercier, Arès, si tu n'agissais pas encore dans ton propre intérêt. Inutile. L'ennemi de mon ennemi... Nous ne sommes pas amis. Nous avons un intérêt commun, pour l'instant. J'ai besoin... Qu'est-ce qu'elle veut, là? Elle a été repérée. Je te laisse travailler. Elle a été repérée, c'est toi qui nous as amenés ici, mec. Arès aide les insurgés. En termes de stratégie, ce n'est pas Athéna. Ton apparence trahit ton allégeance, Raven. Tu es au service de Trigon, pas de Superman. Je les sers tous les deux. La victoire de Superman hâtera le retour de mon père. J'ai jamais compris ce personnage de Raven. Après, j'ai du mal avec la série. C'est quoi le lasso déjà? Attends. Ah, mais non. Attends. Je vais déchaîner les enfers. Ouais, moi je vais déchaîner ce que j'ai dans tes fesses. Tu vas rien comprendre. Mais Raven... Alors... J'ai dû... Aïe! C'est une œuvre sur deux, parfois j'avoue, elle est contre son père, et une autre fois, c'est un serviteur de son père. Genre volontairement de sa propre volonté. Je comprends pas. C'est, faut savoir, c'est tu veux que ton père revienne ou tu veux pas qu'il revienne? Et par contre, elle m'a allongé. Ça commence à devenir difficile.
Bah allez. Ok. Ah bah voilà, là c'est une idiote. Ouh, je l'ai vu son dash. Ah! Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais laisse-moi sortir! Putain! Dès dans le coin. Oh, ça me touche pas ça. Ça me touche pas ça. Tu n'es pas un guerrier. Ok. Ne compte pas sur le retour de ton père, Raven. Hâtez-vous, mes sœurs. Nous levons l'ancre dans l'heure. Emportez ça sur l'Athéna, Sloop 51. Ensuite, allez sur la jetée sud. L'équipe de Mora a besoin de renforts pour un transfert d'armes. Allez ! Diana ! Rappelle ton armée ! Elle ne soutiendra pas la folie de Superman. C'est ce que je suis en train de faire. Tu n'as aucun pouvoir, usurpatrice. C'est moi qui commande. Tu déshonores les Amazones. Nous devons tempérer la violence humaine, pas y contribuer. Après Metropolis, Superman m'a ouvert les yeux. Leur violence ne peut être tempérée, seulement étouffée. En tuant des innocents, comme Zeus avec Hippolyta, Superman se sert de toi. Tes Amazones doivent être bien vulnérables avec une reine comme toi. Ah ! Il manquerait plus qu'une arène et de la boue. Ce serait cool de la boue. Et elle serait en bikini. Bah, tu me diras, vu leur costume, on n'est pas très loin du bikini. Ok. Nous devons rendre service. Aider les innocents. Sauver des vies, amis ou ennemis. C'est notre rôle. Tu me sermonnes sur ce que signifie être une Amazone. Allez, connasse. Je te sermonne pas. Je te destitue. Qui de meilleure personne que toi-même pour te donner une leçon? Aïe! Et te donner une bonne raclée quand on a besoin aussi. Viens ici. Tiens, moi aussi je vais le faire. Aïe. Ah, la chope. Ok. Attends, attends, c'est quoi le lasso? Ah, mais putain, c'est ça. Non, c'est l'autre sens. Voilà. Voilà. Je vais l'appeler comme ça cet épisode. Idiote égaré. Ah, putain. Ok, c'est parti. Oh, une attaque montante. Oh non. Tu veux que les Amazones soient faibles? La discrétion est une force. Batman serait d'accord en fait. Ah! Non! Non! Genre, j'étais derrière! Genre j'ai... Attends, waouh, c'est un peu de la triche ça, je... Ok. Idiote égaré. Putain. Eh, je peux utiliser le gros canon? Ah, ah, ah. Dégage. J'ai dit je peux utiliser le gros canon. Ouais, merci. Ah, il y a une portée quand même. Il y a quand même une portée, hein. Oh!
Ça je peux le détacher? Non. Ça par contre je peux l'utiliser. C'est passé. Oh merci. Désolé. Et merci. Reconstruisons. J'ai claqué mon ultra. Ce que nous avons détruit. J'ai claqué mon ultra juste parce que je devais éternuer. je pouvais plus regarder l'écran. Halt. Si je continue à regarder l'écran, j'ai éternué dans le micro. Mais je suis une Amazone. Et je vous le dis, ceci est folie. Ouais. Notre rôle est d'unir les peuples du monde, d'apaiser la colère des hommes, de la vaincre par la compassion et l'amour. Ah, désolé. Merci. Elle a laissé un homme imposer sa colère à une planète tout entière. L'a laissé être consumé par ses passions les plus sombres. C'est pas un homme, hein. Plutôt que de l'extraire à son désespoir. C'est plutôt un alien, hein. Mes sœurs, revenons ensemble du bon côté de l'histoire. C'est plutôt une invasion alien, partons si tu veux mon avis. Combat, mais pour protéger l'humanité et non pour la détruire. Nous sommes des Amazones. Nous sommes là pour sauver les hommes. Fuck ce bâtiment en particulier, a priori. Ah, vraiment ce bâtiment? Ah ouais. Genre ce bâtiment il a pris cher mais pour rien quoi. On a entendu des enfants crier. Et il est fier de lui. Reviens ici. Ça part en couille là en fait. Oh la bise là. Il faut absolument. Quand j'aurai terminé, vous rentrerez tous. Non mais mec, t'as besoin d'aide. Tu sais, je comprends. Comme toi, j'avais prévu le jour où mon Superman perdrait le contrôle. Mais sans aide, tu mourras. Et l'insurrection avec toi. C'est peut-être mon destin. Nous ne croyons pas au destin. Ouais, arrête d'essayer de bullshit ta propre personne. Attends, mais c'est qui va gagner? Parce que Batman est censé gagner, quoi qu'il arrive. Mais c'est deux Batman, on est dans un paradoxe. Tu vois, c'est comme dire... Ouais, je remonte dans le passé, je tue mon grand-père. Et si tu tues ton grand-père, tu viens pas au monde, parce que t'as tué ton grand-père. Mais donc, tu peux pas revenir dans le passé, et donc tu es ton grand-père, donc t'existes. C'est mon monde. Tu vois, c'est un peu le principe. C'est devenu le nôtre quand tu nous as fait venir. Donc c'est un peu la même chose avec Batman. Batman est censé gagner, mais il peut pas perdre. Descends un peu. Non mais attends, mais l'ordinateur est devenu vénère là. Il est devenu vénère. Oulala, oulala. Oulala. Ok. C'est encore. Même Batman, il est nul. Oh bah a priori non. Ouf. Ah, tu vois ce que ça fait, Bruce, hein, les traumas crâniens. Tuer ton adversaire, à la limite, ce serait beaucoup plus sympathisant. Enfin, un peu plus de pitié. Non, mais putain, hein, j'essaie de faire un tac, mais je me fais laminer. Ça m'arrangerait. Ah oh mais, je me suis fait baiser mais comme jamais. Ok. C'est encore. Putain mais le jeu d'un coup. Ah mais oh oh oh. Ok. Comment ça j'ai pas touché? Comment ça j'ai pas touché? Par contre l'appareil je l'ai vu.
Non, ça passe pas, ça. Ça passe pas, ça, monsieur. Ça, par contre, ça passe. Et l'ordinateur est devenu vénère d'un coup. Les derniers combats, j'ai l'impression de me faire pisser dessus à la chaîne. Enfin, c'est pas une impression, c'est le cas. Si on a fini ici, on perd du temps. Batman a gagné. Tu fais une grave erreur. Tu nous as fait venir car tu avais espoir. L'espoir que l'on porterait les valeurs que tu as défendues corps et âme. Alors crois en nous. Crois en toi. Et finissons-en. Batman a le dernier mot. Putain. Qui l'eût cru ? Tu ne sais pas comment ça marche, j'avoue. J'espérais que tu ne t'en rendes pas compte. On a ramené Shazam ? On doit commencer. Ah non. Des innocents meurent. On s'occupe des autres. Concentre-toi sur leur Superman. On va le faire ensemble, pour éviter les pertes. Ensuite, Superman. Doomsday va poser problème. Dommage collatéral. Je devrais mener ce combat ailleurs. Autre chose ? Je peux te faire un câlin. Ça fait longtemps qu'il a pas vu un bon Clark. Je sais que ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est bon de t'en trouver. Ouais, exactement. Oh là là, mais les coups que ça se met. Et juste après ça... Ah non, non, c'est pas le même. Cyborg, t'as pas un truc, justement, genre de ton autre bras ou une connerie comme ça? Non, c'est ma Tesla! Ça suffit, Black Adam. Si Kandak existe ici, tu peux rentrer chez toi. Comment il l'a hit ? Attends, quoi ? Quoi ? Y a des gens hein, dans les voitures. J'ai envie de dire, c'est notre Superman, hein, c'est le bon. Hein. C'est notre bon Superman. Tu es faible, héros. Et ton monde en souffre. Je suis faible ? Je suis en train de buter des civils dans leur voiture. Tu sais quoi, regarde. Voilà, la dernière chose qu'ils ont vu, c'est un Superman qui souriait. Putain. Et regarde le passant à droite. Le mec, il est en mode... Oh merde, je regardais le passant. Le mec il regarde, il est à côté, tu vois. Ah bah moi je travaillais pour le Joker, hein. Donc la violence, ça me dérange pas. Et dans mon monde, le Superman c'est un tueur, donc tu vois, rien de nouveau sous le soleil. Non, aïe. What the fuck. Tu n'as pas ta place ici. Ah bah vu que je suis des civils, je dirais plutôt que si en fait. Tu veux pas essayer le métro aussi? Non mais histoire qu'on fasse les choses bien. Le nombre de civils qui crèvent. Là, il y avait une famille de 4. Hein. Aïe. Ah, là, il y avait un chien. John Wick va nous venir après. Oula, comment il est venu? Superman a calqué son gouvernement sur le mien. Aucune insurrection n'est tolérée. On dirait les Américains. Alors comment je marche ce trou du cul? Oh putain, il y a beaucoup de trucs. Coup de poing aérien, ça a l'air sympa. Oh oui! Oh j'aime! Aïe. Tu n'es pas mon égal. Non, je suis supérieur. Je suis Superman.
ça va, ça va, ça va. Mais mec, oh, t'es censé être un ordi. Oh, ça va. Putain, comment j'ai les... Ah, 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 ah. Ça fait mal en plus. Oula. Fuck. Putain, il a un fessier, Superman. Regarde-moi ça, putain. On sent qu'il va à la gym, le mec. Aïe, aïe, aïe. Mon pouvoir est égal au tien. Impossible. Ouais, je crois pas. Regarde-moi cette droite. Ouais, voilà. La droite était tellement puissante que c'était une gauche, en fait. Ouh ! La puissance de la droite-gauche. La droite-gauchère. Elle est pas mal, celle-là. Je la garde. Tu as assez fait de mal. Ah. Fuck. Retiendra assez. Sérieusement, mec, y'a personne. Même moi, j'ai réussi à voir qu'il y avait personne. Complètement bigleux, cet elfe des bois. Pas si super, n'est-ce pas? Non, 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 non. Moi, mes pouvoirs, je les tiens pas d'un anneau. Une faiblesse toute désignée, mec. Et voilà. Je lui ai volé son mojo. C'est ta chance de faire le bien. Saisis-la. Bah alors, on a peur? C'est pas le but de ton anneau? J'aime bien comment tous ces soldats ils ont le L de Luthor, Luthor Corp. Genre d'un coup, Luthor avait une armée quoi. Enfin, il est devenu surtout un martyr, on dira. Fuck, c'était fort ça. Sur Terre? Oui. Pourquoi pas? Nous sommes prêts. Ah, parce qu'ils ont tiré en plus? Genre, on leur donne pas une chance de se rendre? Eh, franchement, ce jeu a pas à rougir face à 300. C'est même mieux. Ce trident ne sert à rien. Tu n'es pas le bienvenu. Parce que toi, tu l'es. Ouh. Aïe. What the fuck? Lâche cette voiture. Non mais... Ça va, ça va, ça va. Le mec il se prend pour Baraka. Fuck. Je ne plaisante pas. Oh. Et Superman qui saute. Le mec il se donne même pas la peine de voler. Ouf. En plus je me suis bourré, je me suis boosté. Ouh. Ça va? Et pourquoi tu gagnerais?
Je suis Superman. J'allais dire ça. Bah parce que je suis Superman, connard. Et toi, t'es l'homme qui parle aux poissons. Voilà. Quand même, hein, de tous les combats, c'était le seul que j'ai vous pas perdu. Ou non, vous avez besoin de moi. Comme quoi, hein. Aquaman. Il devrait bien rester, il devrait rester dans l'eau. Superman, on a brisé leur rang, ils reculent. Bien. Quand on les aura repoussés, il faudra de l'aide pour soigner les blessés. Je déploierai une légion aussi vite que possible. Merci, Diana. Avec toi, tout semble facile. C'est quoi ce dialogue ? D'abord de ça. On verra si c'était facile. Il faudra que... Oh. Oh. Il s'est bouffé un camion, mais nulle part. Ah, forcément. Et Diana, ça te dirait pas de venir m'aider, là ? Non, parce qu'il a vraiment l'air de vouloir devenir intime avec moi, là. Tiens, mange ça. On met pas la langue au premier rendez-vous. C'est une règle d'or dans le... dans le monde de la drague. Ça aussi, c'est une règle d'or. On ne marche pas dessus. Tu vas être déçu. Tu vas pour me tuer, mais tu me... Tu sers l'autre Superman. Aïe. What the fuck? Vous êtes plusieurs en plus? Vous êtes reproduits ou quoi? Ok. Ok. Ah, je peux comboter. Oh! Voilà. Abandonne maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ah ah! Dans ces coups, il me fait quand même pas mal penser à Supergirl au final. De Injustice 2. Après tu me diras c'est deux kryptoniens donc Non mais ça va aussi, oh mec, Nikta. J'ai appuyé sur moi. Oh non, j'ai appuyé sur ma technique. Je veux dire mon booster. Oh. Ok, je bouffe. Et tiens, ça c'est le vaisseau avec lequel je suis arrivé, tiens. Oh. Mais je comprends pas pourquoi j'arrive. Pourquoi j'arrive pas à le bourrer? J'ai vraiment un problème, j'arrive pas à booster mes coups. Oh, allez, bouffe. Voilà. La fin du monde attendra. Franchement, les fins de combat, ça me tue. Leur petite phrase là, leur petit punchline.
bye. 3 dans la zone fantôme. Je savais qu'il finirait par te faire venir. Tu n'as rien à faire ici. Mon devoir ne se limite pas aux frontières de ma dimension. Je suis le sauveur de ce monde. Je le protège. C'est ce que tu crois faire? Les protéger? Les enfants désobéissants seront punis. Des enfants? Tu n'es pas punis. Un dieu, ce n'est pas à toi de décider qui doit vivre ou mourir. J'ai ce droit! Je l'ai depuis que Joker m'a transformé en arme de destruction massive! Je sais t'es ce que des désobéissants comme Billy. Quand je t'aurai tué, j'amènerai Loïs ici. Oula. Quand elle verra à quel point j'ai perfectionné ce monde, elle sera effrayée et écœurée. Elle sera en vie! Sa mort ne justifie pas. Il me l'a volé! Tu as volé la liberté de ce monde! Il est temps de la lui rendre. Ce moment où d'habitude, dès qu'il y avait quelqu'un qui te contredisait, le mec il le tuait, sauf que là c'est un propre. C'est Superman lui-même. Tiens, moi aussi je sais faire. Termine. Aïe! Fuck! Eh, moi je sais pas faire ça. On va se calmer tout de suite, hein. Non mais je te jure, hein, Pedro. Ah bah voilà, là j'ai plus les bruits. C'est con, bon, je bourre. Je me suis à peine relevé que je me prenais des claques. Voilà. Ah, j'ai passé le bar. Tiens ta place. Ouais, t'as raison. Et c'est au-dessus de toi. Allez. Regarde, exactement ici, là c'est ma place. Voilà. Je te présente le sol. Non, mais chope! Mais merde, quoi! Je suis resté en face de lui 10 secondes. Oh, fuck! What the fuck? Non, c'est un vol. Voilà. Ouf. Attention, attention à la tête. Oh, c'est un zoo. Ouais, attends, quoi? Ah oui, il y a un zoo dans la... Retourne dans ton monde. Le zoo privé de Superman. Oh, ça c'est pas l'étoile qui contrôle les gens, ça? Non mais mec. J'ai sauvé ce monde. Eh merde. Je vais le sauver de toi. Quoi? Le mec a fait une attaque. Oh là là, il a sauté instant. Oh, c'est un vol. Ok. C'est la fin. Ah, cette fois-ci, je me sens mieux. Je suis mieux paré. Cette fois-ci, c'est moi qui fais ça. Voilà. Oh oh. Pourquoi il le bourre pas? Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'intensifier, en fait, ce coup. Pourquoi il n'y a pas de EX qui sort? Oh! Ben voilà! Ah, il y a été un problème, lui, hein. Je pouvais pas en attendre moins de moi, en fait. Tout simplement.
Ton règne est terminé. Par contre, c'est un Superman justement qui a affronté Doomsday juste avant. Hein. Et le mec, il s'est quand même pété, auto-pété la gueule. Hein. Oh là là, mais les claques qu'il lui met. Peut-être qu'au final, c'est Superman lui-même qui voulait qu'il s'arrête. Au fond de lui, il savait qu'il faisait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'il s'est laissé battre. Tu ne terroriseras plus les habitants de cette planète. La peur est la seule chose que comprennent les gens. Ou non. Un jour, tu le sauras. Il s'est juste rouillé avec les âges. Il a arrêté de se battre, contrairement à ce Superman-là. Tu devras me tuer. Non, pas même toi. Il y a eu assez de morts. Et comment, mec, si on te tue, il n'y aurait pas d'injustice 2, voyons. On va pas cracher sur de l'argent gratos. Oh. Bon, au moins, toi, tu vas prendre moins de tarifs que les autres, hein, ça c'est sûr. Les complices de Superman ont été pris, ou se sont rendus. Maintenant, il faut rétablir l'ordre civil. Le gouvernement provisoire a fort à faire. Nous l'aiderons s'il le veut. Merci, mais non. Les gens doivent savoir qui dirige. Les Amazones sont vraiment pas dignes de confiance. Hein. Elles étaient alors, prêtes à suivre un gars comme ça. Les Atlantes, je dirais pas, mais les Amazones, on sait souvent qu'elles sont très indépendantes les unes des autres. Tu penses que Batman a de l'avenir ici? La volonté, c'est vraiment leur credo. La corruption reviendront. Oli m'aurait trouvé pessimiste. Je suis juste réaliste. Et votre Superman? Il sera jugé avec ses complices. Il avait raison. À quel sujet? Dans la même situation, j'aurais peut-être fait pareil. T'aurais fait pareil? On ne sait jamais de quoi on est vraiment capable. J'espère pour ton monde que tu ne le sauras jamais. En fait, c'est super cool, parce que maintenant, il sait ce qu'il peut devenir, donc il va être bien ça, d'autant plus quoi attentif et prudent. S'il se passe quelque chose, et que ça t'arrive, je m'occuperai de toi. Mec. Il faudra faire la queue. Déjà, t'as pas réussi à t'occuper de ton Superman, alors tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'occuper de quelqu'un d'autre? Franchement. Lumière rouge. Ça annule les pouvoirs de Superman. Soleil rouge, tout ça. Comme le soleil de Krypton. Cliffhanger. Genre, eh oui, il y aura une suite. J'adore. Ce genre de fin, j'adore vraiment. On dirait trop une fin, tu sais, des films des années 90 ou 2000. Bon, bah voilà. Court mais intense. Bon, par contre, je précise, quand je ferai le 2, les voix seront en anglais. Faut pas déconner non plus, parce que je trouve le doublage français était sympa, mais je préfère largement celui anglais. Largement. Attends. Normalement, il n'y a plus de cinématique. Voilà. Non, mais c'est bon. Voilà, c'était une Justice 1. J'espère que ça a plu, tranquille. Moi, franchement, je me suis régalé. Je me suis aussi rappelé pourquoi j'avais pas trop accroché au jeu à la sortie. Je m'en rappelle.
Par contre, le 2, je sais pas si je vais le faire tout de suite. Ou alors je vais attendre. Peut-être que j'attends une ou deux semaines entre la sortie du dernier épisode avant d'enchaîner sur le 2. Parce que j'ai vraiment envie de les enchaîner en fait. Bon, sur ce,